un petit coup si tu viens voir quelque chose. Et comment tu sais c'est ça? Chef, on peut lui donner ça ou quoi, vous prenez ça avec? Ah, mais la sécurité, là, tout le monde vient. Moi, j'ai donné. Vous n'avez pas. Faudra faire gaffe avec ça, non? Regarde ce qu'il est en train de filmer comme il est là. Non, si. Non, si. C'est pas qu'il y ait des choses plus grandes, mais la susceptibilité. Mais cette salopette, elle me met. Mais il n'y a plus de couteau. Elle n'était pas première, mais elle était dans les trois premiers. Ça se passait où, à quelque part? Non, non, à... si. Miss Zahir est une des plus, trois plus belles filles du monde. Bon, ici, normalement, sachez ceci, hein, la mine de Kipushi, normalement, est située à 30 km à sud-ouest de Kumashi et à 500 mètres de la frontière zambienne. Bon, ici devant nous, hein, nous avons la carrière, puisque c'est depuis 1925 que la mine est en activité. Hein. Bon, au début, il y avait une colline avec des affleurements. Et ensuite, les anciens mangeurs de cuivre traitaient de croisettes. Hein. Ensuite, quand les blancs sont venus, ils ont découvert ça. Comme c'est un jugement philonien, un jugement important ou quoi, ils ont jugé bon d'exploiter. Ils ont exploité d'abord la colline. Ensuite, la en carrière.
comme c'est un jugement filonien, avec un pendage sur vertical de 70 degrés. Hein. Alors là, ils ont jugé bon de passer en souterrain. Bon, c'est pourquoi ils ont fait des ouvertures. Hein. Donc des accès qui peuvent faciliter normalement d'accéder aux exploitations et aux évacuations. Bon, nous avons par exemple ici, ça c'est le puits 1 des minéraux. Hein. Parce que pour le moment, c'est uniquement le puits 5 qui remonte de minéraux. Nous avons le puits 2. D'ailleurs, c'est ce que nous allons prendre. Le puits 2, normalement, il est pour le personnel et le matériel. Bon, de l'autre côté, c'est le puits 3, hein, qui est pour l'exo. Donc, l'exo, cela veut dire quoi ça, l'extraction de l'eau souterraine. Parce que ici, nous avons un problème très important en eau souterraine. Nous avons un débit de 2500 mètres cubes heure. Donc l'eau de la pluie, hein, après avoir traversé la roche poreuse, après avoir été stabilisé dans la nappe pâtissière. Hein, et comme nous forçons de divertir, nous créons des équilibres, hein, l'eau le suit. Bon, de ce côté-là, nous avons 5 salles de pompe, hein, à partir du dernier niveau, qui est le dessus qui est 1106, jusqu'à 512. C'est deux grands ventilateurs, donc de 1150 euros, qui va voilà, pour l'aérage. Hein. Bon, je vais vous montrer ici. Ici, c'est une. Alors là, quand on arrive à 512, il y a encore un autre ascenseur. Non, avec c'est avec la même cage. Il y a d'abord un arrêt. Et tout ça, c'est pour... Moi, je fais l'informatique. Je suis venu ici une fois il y a longtemps. Alors que mon père est ici encore en vacances, les enfants maintenant ils sont là. C'est plus moderne. Ouais. On ne voit plus les mineurs qui sont dans les petites galeries. Non, mieux les piocher. Ça, c'est son pays. C'est plus fort. On ne voit plus ça, là, j'ai fait une cambo. Est-ce qu'on voit encore dans les petites galeries? Non. C'est comme ici. Non, ce n'est pas comme ici. Là, c'est un peu ancien. Allez, on y va.
ça va, c'est...